Tous les étés, au début du XXe siècle, la famille impériale de la Sainte-Russie se retrouvait pour danser sur les bords de la mer Noire. En cet été 1917, les Romanov ne se doutent pas qu'ils dansent pour la dernière fois et que leur dynastie s'éteindra dans le brasier de la révolution bolchévique. J'entends des balles siffler. Je ne savais pas que c'était des balles, mais ma mère me pousse par terre. J'étais dans la rue. Je me retrouve couché sur la place Rouge, devant le Kremlin. Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas vous assurer que c'était 17 ou 18. Il faudrait demander aux spécialistes jusqu'à quand les balles ont continué à siffler. J'avais très peur et ma mère me tenait plaqué contre le sol. Et vous avez vraiment souvenir de ceci? Très clair de cela, parce que j'avais peur, et c'était peut-être ma première peur de la révolution bolchevique. Dès le printemps 17, un certain nombre de Russes s'inquiètent du destin de leur pays et quittent le pays, la Russie. C'est ça le début de l'immigration russe blanche, blanc par référence aux armées blanches, par opposition aux armées rouges. Mais ce mouvement s'accélère après donc, la prise de pouvoir par les bolcheviques, après l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle la terreur rouge. Encore une fois, la terreur rouge, ce sont des prises d'otages, des exécutions, très peu de procès, des viols. Et ce sont des gens qui, appartenant à l'élite très souvent, n'étaient pas préparés à cette situation. Des gens comme les petites cousines de la famille impériale, les deux princesses Pavlovna, dont le père et le frère furent emprisonnés puis exécutés. Violées par une bande de faux révolutionnaires avinés, elles réussirent à s'enfuir pour gagner la France, où la cadette deviendra mannequin sous le nom de Nathalie Palais, la princesse au regard triste. Il y a naturellement une aventure humaine extraordinairement dramatique, parce que toutes ces années de la guerre mondiale, puis de la révolution de la guerre civile, sont des brisures de vie à tout âge. Pour les princes et princesses, le dilemme était simple. Soit ils sauvaient leur peau en partant, soit ils la perdaient en restant. Une partie de ma famille donc a été exterminée. Et deux de mes tantes, les sœurs de ma mère, ont été déportées en Sibérie. Et ma mère s'est enfuie d'Ukraine. Elle est partie à l'âge de 16-17 ans. Elle sentait qu'il fallait s'en aller. Ma mère était une jeune fille noble. Elle a fui, elle a pris un bateau avec ses sœurs, sa mère qui est morte dans ses bras. Tous les enfants de moins de 5 ans sont morts parce qu'il y a eu une épidémie de je ne sais quel typhus ou autre. Elle a eu le typhus aussi, sa mère est morte du typhus. Bref, elle a vécu une grande tragédie comme énormément de Russes blancs, justement. Pour les aristocrates, le départ semble inéluctable à cause des menaces de mort, des règlements de compte de la guerre civile et de la famine qui rôde. Mais surtout à cause des défaites de l'armée blanche, toujours fidèle au tsar, mais condamnée bientôt à quitter le pays. La guerre civile s'achève formellement à la fin de 1920, avec le départ donc, de la dernière armée blanche du général Wrangel qui part à Constantinople et qui emmène avec lui environ 150 000 personnes, une grosse moitié de militaires, le reste des femmes, des civils, des enfants, des personnes âgées. Après, dans les années, au début des années 20, 21, 22, 23, sont partis plutôt des gens des classes moyennes. Des gens généralement diplômés. Mais il y a une image d'Épinal qui va se former tout de suite. Ce sont des princes, ce sont des aristocrates. Or, ils étaient minoritaires, les gens titrés. Mais comme ce sont les premiers arrivés, c'est eux qui ont donné à cette immigration sa couleur.
l'aristocratie en exil ne cessera de cultiver la nostalgie d'un paradis perdu, où l'oligarchie des grands-ducs, l'élite de la bourgeoisie, les grands propriétaires terriens et les officiers supérieurs pouvaient compter sur un personnel pléthorique. Dans ma famille, qui avait une immense propriété en Ukraine, il y avait 4 gouvernantes. Il y avait une gouvernante allemande, c'était pour l'éducation, apprendre les maths, la physique. Et... Il y avait une gouvernante anglaise, c'était pour les bonnes manières. Il y avait une gouvernante française, c'était pour faire des confitures et dépuceler les garçons. Et la russe, c'était la gnagne, c'était pour la religion, pour les chansons, pour le cœur et pour l'art. Donc, dans ces familles, tous les soirs, à table, on parlait une des langues des gouvernantes. Un russe de bon milieu se devait de parler le français. Par exemple, dans la famille Nabokov, il y avait quand même une 50aine de domestiques. Donc, il y avait ce personnel stylé et souvent francophone. Les relations historiques entre la France et la Russie sont exceptionnelles, au sens quasiment étymologique. Depuis l'arrivée de Anne de Kiev, qui était venue épouser Henri Ier, donc au XIe siècle. Et donc, il y a des liens très, très forts, culturels. Il y a des liens parfois surprenants. Napoléon a envahi la Russie, et pourtant, Napoléon est considéré en Russie comme une sorte de héros, en tout état de cause, un personnage, à tel point que, depuis le XIXe siècle, en Russie, il y a un gâteau qui s'appelle le Napoléon, qui est une espèce de millefeuille. Donc voilà, donc les liens sont très, très forts, et naturellement, une bonne partie de l'élite russe parle français. C'est pour ça, cette culture... et plutôt la position de la France au milieu de l'Europe, qui a poussé énormément d'émigrés venir s'installer en France. Ils cherchaient quelque chose de... probablement un idéal. Et forcément, c'était une certaine sélection de l'émigration. C'était les aristocrates, les artistes, une partie de l'intelligentsia, les juifs aussi, qui venaient en France. Pour les Juifs, c'était un cas particulier, effectivement. Pour eux, c'était le pays qui les avait émancipés. Et ils disaient qu'évidemment, en France, il n'y avait pas de pogrom, en France, il n'y avait pas de persécution, que la France avait une ambition vers l'universel et par conséquent, pouvait s'ouvrir aux Juifs. Vous avez vécu à Moscou jusqu'à l'âge de 7 ans. Je voudrais que vous me disiez quand votre mère, pour la première fois, vous a parlé de la France. Elle m'a parlé pour la première fois de la France lorsque nous étions dans les wagons à bestiaux. Quelque part dans les plaines enneigées entre la Russie et la Pologne. Elle me parlait de la France comme on raconte des contes de fées. Elle m'évoquait une terre mystérieuse de la justice, liberté, fraternité, et où tous les rêves des mères se réalisent. Ça a été pour moi un mythe prodigieux, un mystère profond, jusqu'au jour, évidemment, où j'ai pu prendre contact avec la réalité de notre pays. Autour des années 20, près de 400 000 Russes débarquent en France, dont 150 000 dans la région parisienne, et la plupart arrivent le ventre creux et les poches vides. Toute l'émigration était pauvre. À de rares exceptions près, les gens qui sont partis de Russie, des aristocrates, des propriétaires terriens, mon grand-père, par exemple, avait un restaurant, une patinoire, un théâtre, un ballet, tout ce qu'on veut à Pétersbourg. C'était des gens richissimes, mais ils sont arrivés en France, ils ont tout perdu. Et chacun s'est mis au travail comme il a pu. Tous les métiers étaient, disons, bienvenus. Mais tous les métiers. La France est le pays brisé, fatigué par le premier conflit mondial, qui a perdu, on le sait, des millions d'hommes. Et donc, il y a des besoins de main-d'œuvre. Et il y a aussi le remplacement, il y a la montée en puissance de nouvelles activités, notamment l'industrie automobile. Et cette main-d'œuvre, il la trouve dans une partie de l'immigration russe. Les industries automobiles françaises, que ce soit Citroën, Peugeot et bien entendu Renault, avec les deux communes Boulogne et Billancourt, sont très, très russifiées. On peut considérer que, à l'époque, à l'usine Renault, on a autour de 25 000 salariés et il y a 5 000 Russes
Donc c'est effectivement, et d'où cette fameuse expression de Biancoursk, voilà, mise en avant par Nina Berberova. Biancoursk, c'est ainsi que l'écrivain Nina Berberova surnomme cet îlot où vit toute une communauté russe autour des usines Renault. Dans son livre, elle décrit ce petit peuple russe dépaysé par l'exil. Je suis même allée pour entrer dans les usines où l'acier coulait et les fours Martin étaient en marche, mis en marche 24 heures par jour, je pense. Et là, j'ai vu les officiers blancs, n'est-ce pas, qui étaient manœuvres chez Renault. Et enfin, ils travaillaient, tout le monde. Mais dans cette vie difficile qui est la vôtre, parce que vous ne mangez pas tous les jours à votre faim, et on voit très bien dans le couple que vous formez avec Kodasevitch, vous dites ceci: nous nous aimions l'un l'autre au-delà des frontières qui nous séparaient. Lui redoutait le matin les catastrophes du soir. Moi, j'attendais la nuit les joies du lendemain. Et elle dit dans ses souvenirs, c'est moi qui souligne, elle dit... Nous nous demandions, vaut-il mieux la liberté sans la Russie, c'est-à-dire vivre en France, ou la Russie sans la liberté, c'est-à-dire rentrer mais être les esclaves de Staline et d'un régime autoritaire. Elle dit finalement, évidemment, nous concluions que c'était la liberté qui l'emportait. Mais elle raconte qu'elle était des fois les yeux grands ouverts devant des vitrines de charcuterie où pendaient des chapelets de saucisses qu'elle ne pouvait pas s'offrir. C'est vrai que vous avez vécu quand même très difficilement pendant très très longtemps. Oui. Mais il y a en vous cette chose extraordinaire, c'est que vous avez un appétit de vivre étonnant. Et à un certain moment, vous dites que les gens vous disent comme ça: « Ah, mais Nina, tu es un roc. » Et vous leur répondez: « Non, je ne suis pas un roc, je suis un fleuve. » Oui. Pourquoi? Parce que je bouge. Un roc est là, il ne bouge pas. Mais moi, j'ai bougé non seulement géographiquement, mais aussi intérieurement. La vie est très dure, donc. C'est pour tous ces gens, et surtout, la vie est très dure pour ceux qui créent quelque chose. Les poètes, les écrivains, les artistes peintres, les gens de la culture, des gens qui se déplaçaient à Paris pour nettoyer les vitrines, et le soir, ils créent. Il y a cette pauvreté qui a été un facteur très important. Nabokov raconte... dans ses souvenirs, je crois bien, oui, qu'il vivait dans un appartement tellement petit, tellement étroit, qu'il était obligé de laisser la chambre à sa femme et à son fils, et il allait écrire dans le cabinet de toilette. Il posait une valise sur le bidet, il se mettait à genoux devant cet écritoire improvisé pour écrire les chefs-d'œuvre. Édité en 1928, Matchenka, le premier livre de Nabokov, lui permettra de sortir de la misère. À l'opposé, l'écrivain Marina Tsvetaeva continue, comme en Russie, de tirer le diable par la queue avec ses deux enfants et son mari, Sergueï Efron, un ex-officier blanc blessé au combat qui a du mal à trouver des petits boulots. Pour elle, il n'est pas question de chercher du travail. Elle ne voulait vivre que de sa plume. Elle est extrême. Alors elle écrit, elle écrit, elle écrit, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus écrire. De la misère, goûte toujours sec, tourne la croûte sèche dans la bouche. Vous tous, mangeurs de poésie, ripaille de graisse, un franc l'entrée. Elle avait la réputation d'un poète très difficile à comprendre. Et que du fait que cette expression était tellement neuve, elle était neuve pour elle, elle était neuve pour ses proches, et elle ne s'insérait pas du tout dans ce qu'attendait le public français de la littérature russe. Je ne sais pas si on peut la définir véritablement. C'est une personne incandescente. Elle est le tout et son contraire. La preuve, c'est que les journaux russes conservateurs ne voulaient plus la publier, et que les journaux d'avant-garde n'en voulaient plus non plus. Pourquoi ? Parce qu'elle vomissait Staline. Moi, les dieux, je les choisis, disait-elle. Je n'aime pas les dieux autoproclamés. En Russie, devenue URSS, le nouveau dieu Staline ordonne au peuple de brûler les icônes des anciens dieux. Informés de ces autodafés, les Russes blancs du Paris orthodoxe redoublent de ferveur religieuse. «
dans l'immigration, la foi orthodoxe et l'Église, selon là aussi une formule bien commune, l'Église se retrouve au cœur du village. Parce qu'effectivement, l'Église est un lien social, est un lien intergénérationnel et un lien très fort avec les racines russes, puisqu'on le voit, on le sait historiquement, le lien entre la Russie historique et la Russie orthodoxe sont des liens très très forts. Et donc effectivement, à Clichy, il y avait un petit groupe comme ça de Russes. D'abord, il y avait une église où ma grand-mère m'emmenait, parce que ma grand-mère est venue en 1936, la mère de mon père. Et c'est elle qui m'a élevée, donc elle m'emmenait à l'église tous les jours. Je pense que c'est peut-être pour ça que je suis devenue athée, parce que vraiment, j'en ai eu ma dose, comme on dit. Je pense que la religion orthodoxe n'est pas vraiment une religion. C'est l'amour de l'art. Les offices religieux sont très longs. On chante, ils ont de très belles voix. D'ailleurs, ils ont une façon de chanter tout à fait personnelle. Et puis, il y a aussi l'ennui. Les Russes, ils s'emmerdent dans ce grand pays où il fait froid la moitié de l'année. Donc la culture a une place importante, parce que c'est le rêve. On échappe à la réalité, on échappe aussi à toutes les difficultés. Et donc, il compensait beaucoup avec cette façon de s'exprimer par les arts. L'idée maximale de la Russie émigrée en France comme dans d'autres pays, c'est de retourner en Russie, c'est de considérer que l'épisode soviétique bolchevique est une parenthèse. C'était la pauvreté totale, mais une pauvreté grandiose. Ils vivaient cette pauvreté avec beaucoup de classe et beaucoup de chic. Donc, ils portaient beau, et puis beaucoup d'entre eux pensaient qu'ils allaient retourner en Russie. Certains restaient assis sur leur valise en pensant que ça ne pouvait pas durer et qu'il y en aurait pour quelques années, puis qu'ils retourneraient. Et c'est une des raisons qui explique que peu de Russes ont demandé à prendre la nationalité française, parce qu'eux considéraient qu'ils ne pouvaient pas quitter la citoyenneté ou leur passeport russe. C'est pourquoi ils ont mis en place une université populaire russe, un lycée russe, pour former, non seulement dans la langue, quand ils rentreraient, mais pour former les cadres dont la Russie nouvelle, c'est-à-dire la Russie débarrassée des soviets et de Staline, dont elle aurait besoin. Les rues de Paris voient ainsi surgir des devantures de librairies russes avec leurs imprimeries et leurs journaux. On voit même des échoppes de coiffeurs libraires. Il faut recréer la Russie en exil. Par exemple, lorsqu'on voit ces ouvriers qui, à la sortie de l'usine, donc on voit, les Russes, ils sont très faciles à déterminer. Pourquoi ? Parce qu'ils portent un costume et une cravate, la chemise blanche. Pourquoi ? Parce que le soir, après le travail, il ne va pas chez lui, parce qu'il n'a pas de chez lui. C'est une chambre d'hôtel où ils habitent deux ou trois personnes avec les lits qui s'appellent les lits chauds. Ça veut dire qu'une personne dort, ensuite elle part au travail, une autre personne revient du travail, qui dort sur le même lit, etc., etc. Donc c'est tous ces gens. Donc ils continuent cette vie russe comme il était avant. Des fois, on n'avait pas suffisamment d'argent. Alors on sortait habillé en smoking, évidemment, et on s'en allait dans les boîtes de nuit, par exemple, ou alors dans les restaurants russes. Et on s'amusait vraiment comme des jeunes. À cette époque, il y avait énorme quantité de restaurants
de cabaret russe où l'émigration a trouvé son travail. Le soir, Paris résonne de mille sonorités russes, des phrases de Pouchkine aux vers de Tchekhov, du chant polyphonique des chorales traditionnelles, à la vitesse d'exécution prodigieuse des orchestres de balalaïka, souvent composés de cosaques déracinés, en passant par des évocations grandioses de la terre et de l'âme russe. Sans oublier la musique tzigane qui éclaire de mille feux les nuits des cabarets russes parisiens. Écrivain et juif d'origine russe, avec sa gueule de boxeur et sa crinière de lion, Joseph Kessel régnait en prince dans les cabarets russes. Grand amateur de vodka, on le surnommait le bouffeur de verre, parce qu'il broyait les verres de cristal à pleines dents sous le rythme des mélodies tziganes. Ces tziganes qui ont fait les joies et le désespoir de nuits extraordinaires en Russie pendant plus d'un siècle et qu'ont décrit et chanté les plus grands poètes et les plus grands écrivains russes, ils faisaient partie de la vie russe. Toute la fête de Saint-Pétersbourg et de Moscou, tous ces instruments vivants de joie, de chant, de beauté, qui, à cause de la révolution russe, ne trouvaient plus de quoi vivre et se sont transplantés à Paris, et ça a été un moment extraordinaire. Il y a une espèce d'envoûtement dans ces airs, dans cette musique qui tiennent à la fois des steppes russes, de l'origine indienne, du vagabondage, et ça donne aux gens prisonniers par les civilisations un espace, une liberté que nous voudrions tous avoir et qu'on croit avoir tant qu'on est sous l'influence et sous la magie de ces chansons et de ces musiciens merveilleux. Il y avait les tziganes qui avaient fabriqué son propre royaume de nuit dans les environs de la place Pigalle, s'était installé là comme une colonie. Et alors là, étaient venus s'agglomérer à eux des gens qui, dans le temps, les faisaient chanter, les faisaient danser, qui étaient très riches, très puissants, et qui n'ont pas trouvé d'autre emploi que de venir faire ce que faisaient les tziganes. Où ils avaient de belles voix, où ils savaient jouer de la guitare, où les femmes vendaient des fleurs, ou vendaient des poupées. Le prince imitait le tzigane. Le prince imitait, et le prince était l'inférieur du tzigane. Il y a une scène amusante dans les mémoires du prince Youssoupov. Le prince Youssoupov était un de ceux qui avaient participé à l'assassinat de Rasputin. Et il raconte qu'un jour, il est dans un cabaret russe, et il va aux toilettes. Et la dame préposée au lavabo, la madame Pipi, il la connaît, c'est une comtesse qu'il a connue autrefois à Saint-Pétersbourg. Et alors il dit, je m'inclinais, je lui baisais la main et nous parlâmes au milieu du bruit des chasses d'eau. Il y a énormément de restaurants, de boîtes de nuit où ces dames de la meilleure société servent, se retrouvent donc là encore une fois dans des pratiques professionnelles totalement inédites, mais qui sont un extraordinaire attrape-client pour les publics anglais et américains. Et l'un de ceux qui illustre le mieux ces soirées et ces nuits, c'est naturellement Joseph Kessel qui, lui, est un grand acteur, puisque c'est un grand viveur. Quand je me rappelle les bataillons de bouteilles de champagne vides qui étaient sur les tables, et puis l'argent que les Américains, les Argentins, les Anglais et des Français, moins, mais enfin distribués comme pour boire, cela me paraît impensable. Et les Français, des années folles, c'est-à-dire les années d'après la Première Guerre mondiale, les années qui faisaient suite aux épreuves de la guerre. Ces années aussi où, comme le dit Paul Valéry, on avait appris que les civilisations sont mortelles et que tout est fragile et qu'il faut vivre, eh bien, les cabarets russes, les restaurants russes, les établissements russes étaient un bon moyen de satisfaire ce goût de la jouissance.
Non, mais c'est vodka pour madame. Tu m'avais juré de ne plus boire d'alcool. Oh, mais c'est pas d'alcool, ça, c'est de la vodka. Tiens, la voilà, ta vodka. Oh, qu'est-ce que tu veux, tu bois le verre d'Henri? Non, ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Eh bien, puisqu'il a bu le tien, moi je bois le tien. C'est un trou, cet homme-là. Hey! Que ce soit à Paris ou à Hollywood, on retrouve cette mode des cabarets russes et Fred Astaire qui délaisse les claquettes pour la danse des Cosaques. Donc voilà l'un des aspects de la mode russe. Alors ça s'est traduit par toutes sortes de curiosités à l'égard de cette population, les objets russes, les cigarettes russes. Des curiosités comme les Lilliputiens de la troupe Katia, que le public applaudit au Casino de Paris. Mais aussi ces circassiens qui ont fui la nationalisation des cirques décrétée par les soviétiques. Mais indéniablement, le spectacle à la mode, ce sont ces voltigeurs jiggy et leurs chevaux lancés au triple galop. Ce n'était pas jusqu'aux prostituées qui ne se prétendissent être toutes nièces du tsar ou cousines de la tsarine. Passer une nuit avec un membre de la famille impériale était évidemment très gratifiant pour le client. Donc il y a eu cette mode russe qui s'est développée tout au long des années 20. Le tout Paris semble fasciné par le pédigré de ces princesses sur le déclin. Et le milieu de la haute couture ne déroge pas à cette règle en accueillant en son sein ces jeunes femmes venues du froid. Les femmes russes qui étaient très belles, les slaves, intelligentes, très cultivées, avec des très bonnes manières, ils ont trouvé leur destin dans la haute couture. Cette partie de l'aristocratie est intéressante au sens que ce sont des femmes qui prennent le relais, qui se mettent en avant et qui se sont lancées dans la mode, se sont lancées soit comme mannequin, soit comme dessinatrice. Et par exemple, la princesse Yusupov, Irène, qui appartenait à la famille Ramanov, qui était une femme d'une extraordinaire beauté, et son mari, donc Félix Yusupov, ont créé ensemble une maison de mode dans les années 20, qui a eu un succès considérable pour un public anglais et américain, excité à l'idée d'aller s'habiller chez des grandes duchesses ou des représentants de l'aristocratie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de nombreuses femmes russes travaillent comme petites mains chez les plus grands couturiers. Notamment chez la célèbre Coco Chanel, qui s'inspira de motifs russes pour plusieurs de ses collections. Coco Chanel a eu toute cette période russe, d'autant plus qu'elle a eu pour amant un grand-duc, Dmitri Pavlovitch, qui a été son amant, et à propos duquel elle a eu cette formule extraordinaire. Il faut que tout occidental ait pour amant un russe pour savoir ce qu'est la beauté russe et le charme slave. On a beaucoup dit, qu'est-ce que c'est l'âme russe? L'âme russe, c'est pas forcément de s'accrocher au rideau et d'être comme ça romantique. C'est surtout d'être capable d'absorber la vie des autres. L'énigmatique Elena Ivanovna Diakonova, dite Gala, sera absorbée le poète Paul Éluard qui, pour l'épouser, fera sa première communion afin de consacrer leur union devant Dieu. Un mariage de courte durée, puisqu'elle absorbera aussi le peintre Salvador Dali en tombant très vite dans ses bras et dans ses toiles. Elle deviendra son amante, sa muse, sa femme et surtout son agent. Elles sont passionnées dans le sens qu'elles se donnaient complètement à l'homme avec lequel elles vivaient. Elles pouvaient en changer, elles pouvaient aller avec un autre, mais quand même... Pendant le temps où elles étaient avec leurs compagnons, ils étaient envahis. La belle Lydia Delektorskaya subjugue du bout des cheveux au bout des doigts le peintre Henri Matisse. Il trouve avec celle qui sera son modèle pendant 22 ans
une nouvelle inspiration érotique. Totalement platonique, leur relation deviendra complètement fusionnelle sur la toile. On connaît effectivement le mariage de Picasso avec la fille d'un officier de l'armée impériale, la fameuse Olga. Ce qui est amusant, c'est qu'ils se sont mariés ici, donc dans la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, et dans les registres de l'église, nous avons la trace du mariage de, non pas Pablo, puisque le registre l'a russifié, de Pavio Picasso avec Olga Krekova. Sa muse l'inspire tellement qu'il la dessinera dans plus de 350 de ses tableaux. Une fois mariée, la danseuse des ballets russes n'aspire plus qu'à une vie bourgeoise, au grand désespoir de Diaghilev, le maître de ballet qui l'avait nommée danseuse étoile. Diaghilev bouleversa le ballet classique en créant les ballets russes et en propulsant sur scène le faun Nijinsky, qui deviendra son danseur fétiche. Puis la ballerine Pavlova, qui sera sacrée déesse de la danse. Auréolée par ses succès, Diaghilev, l'esthète Pygmalion, devient une sorte d'icône du public. Diaghilev comprend très très vite que le public parisien attend de voir de ces artistes russes une espèce de monde différent du monde français et parisien. C'est-à-dire qu'il y a de l'exotisme, il y a une touche d'érotisme, il y a une touche de folie. Et donc voilà, Diaghilev est un petit génie. C'est quelqu'un qui n'est pas un artiste, mais c'est un faiseur de miracles, puisqu'il a compris comment il fallait mettre ensemble différentes célébrités, différentes capacités, et faire monter, si on passe l'expression, la mayonnaise. 1, 2, 3 et 4. La mayonnaise monte tellement que l'on voit surgir partout des cours de danse dirigés par des professeurs russes, comme ici, le grand danseur Fokine qui joue de la baguette avec ses élèves. L'on voit aussi des danseuses russes menées à la baguette par des professeurs français comme Blanche d'Alessandrie. Cette symbiose entre Russes et Français sera parfaitement incarnée par Serge Liffard, danseur chez Diaghilev, puis chorégraphe et directeur de l'Opéra de Paris. J'arrive à l'âge de 18 ans à l'étranger, je quitte mon pays et je vois cette phalange artistique, passionnée, qu'ils ont une sorte de mystique artistique. Et alors, je peux dire que je me suis développé dans cette atmosphère, avec cette ambiance de ballet russe de Serge Diaghilev. L'univers de Diaghilev, révolutionnaire artistique et dénicheur de talent, c'est aussi la musique, avec Chaliapin, le chanteur aux accents de tonnerre. Rachmaninov, dont la musique est bannie en Union soviétique. L'éclectique Prokofiev, dévoré par sa passion pour la composition. Et Stravinsky, l'oiseau de feu qui se renouvelle constamment. Nous avons, heureusement pour le monde musical, ce compositeur génial russe que Diaghilev considérait comme son fils spirituel, qui était Igor Stravinsky. Et c'est la célèbre création de l'oiseau de feu, de Petrouchka, des Sacs du printemps, des Noces Apollon, etc. Tous ces immenses musiciens font des tournées à travers le monde et enregistrent des disques dont la diffusion s'arrête aux frontières de l'Union soviétique. En 1924, au pays de Staline, on fête la reconnaissance diplomatique de l'URSS par les pays occidentaux. Un coup dur pour ces Russes blancs qui rêvaient de revenir dans un pays débarrassé du joug stalinien. Les émigrés avaient été déclarés apatrides par la Russie soviétique. Ils avaient été déchus de leur nationalité. Donc à partir de 24, ils ont très vite compris que ce retour devenait de plus en plus aléatoire, que la Russie se fossilisait dans une espèce de stalinisme étroit. Et donc, ils ont perdu cet espoir. Sauf un petit groupe qu'on appelait les Eurasiens. Ces Eurasiens pensaient que la révolution bolchevique était peut-être
le bras armé de la Providence, qui avait renversé la Russie pétrinienne, la Russie de Pierre le Grand, la Russie tsariste, la Russie occidentale, et que par ce biais, on pourrait reconstruire une Russie authentique, c'est-à-dire une Russie asiatique. Il y a d'abord chez les Russes une belle tradition qui franchit les siècles et les lieux, qui est le désaccord l'emporte sur l'accord. Et quand vous avez deux Russes, vous avez au moins trois avis, et après vous avez une espèce de progression géométrique. Il est évident que derrière cette appellation globale des Russes blancs, vous avez des gens qui sont à droite, très à droite, vous avez des monarchistes, des monarchistes constitutionnalistes, des monarchistes absolutistes, et vous avez des gens de gauche, vous avez des gens qui sont très à gauche, des gens qui sont modérément à gauche. Et quelles que soient les bonnes volontés des uns et des autres, à aucun moment il n'y a eu véritablement de front politique uni. Moscou a très bien vu cette faille dans le mouvement eurasien, a envoyé des gens qui ont, comment dire, noyauté le mouvement eurasien. Il s'agissait d'un réseau d'espionnage absolument d'une étendue absolument colossale à travers toute l'Europe. Dans ce réseau, on retrouve Sergueï Efron, l'ex-officier de l'armée blanche marié à l'écrivain Marina Tsvetaeva, qui ne cesse d'écrire en vomissant sur les Russes blancs décadents et les crapules staliniennes. Alors pourquoi son mari est-il passé du côté soviétique ? Certaines personnes disent que c'était simplement un raté, qui ne savait rien faire. Alors Sergueï Efron était une proie très facile. Il suffisait de lui dire « tu es coupable, tu n'as pas rempli ton devoir vis-à-vis de ta patrie, tu dois le payer ». Et il était prêt à le payer. Démasqué et poursuivi par la police française pour espionnage, Sergueï Efron s'enfuit en Union soviétique, retrouver sa fille Arianna. Devenue militante communiste, elle a déjà rejoint le paradis des soviets. Mais à l'arrivée de son père, qui est aussitôt emprisonné, elle sera arrêtée, tous deux étant considérés comme espions à la solde de la France. Ils ont été torturés. Ils ont été. Efron a été exterminé. Ariadna a passé 17 ans dans les camps. Elle aussi, elle pensait que son avenir était en Russie quand elle était à Paris. N'ayant aucune information sur le sort de sa fille et de son mari, Marina Tsvetaeva hésite à partir là-bas, comme si elle avait un pressentiment, alors que son jeune fils veut partir pour les retrouver. Mour, il s'appelait Mour, quand il lui dit qu'il veut retourner dans le pays parce qu'il veut, lui très très exalté, il veut justement refaire le monde et c'est un nouveau, une nouvelle Russie, etc. Et elle s'est laissée faire et elle était très très malheureuse en retournant. Quand elle retourne en Russie, l'émotion est très grande, mais elle est anéantissante, elle est paralysante. Et cette émotion-là lui coupe sa possibilité de vivre et d'écrire. Et lorsqu'elle ne peut plus écrire, elle se pend. Et lui, il est mort très tôt après à la guerre, quoi. Donc c'était vraiment une vie tragique, complètement. Marina Tsvetaeva ne sera pas la seule artiste à vouloir retrouver l'odeur de la terre natale. Pour le compositeur Prokofiev, qui avait le mal du pays, il était difficile de résister quand le régime lui promettait un appartement, une voiture et une datcha. Et un jour, il décide de partir et s'installer définitivement parce que il a pensé qu'il va devenir compositeur numéro un à Russie soviétique. Bien sûr, il a obtenu des prix Staline, toutes les catégories, etc. Mais quelque chose qu'il a perdu. Il a perdu cette liberté qui était ici en France. Stravinsky, jusqu'à sa mort, était libre. Entre l'exil ou retourner au pays, Stravinsky avait fait son choix. Mais ce dilemme revenait en boucle chez certains écrivains qui, eux, étaient doublement exilés, et par la distance et par la langue. Certains n'ont jamais pu s'adapter au français.
Ivan Bounine, le premier russe à avoir eu le prix Nobel, parlait mal le français. Ses amis disaient même qu'il faisait exprès de mal parler, d'avoir un accent énorme pour montrer son aversion à l'égard de la France et des Français, un pays dans lequel il était obligé de vivre contre son gré. Alors, pour Troya, Lev Tarasov, de son vrai nom, dit bien qu'il avait deux pieds. Dans la journée, il était au lycée avec un pied en France, et le soir, quand il rentrait chez lui, il avait un pied dans les nuages russes. Coupé de leur patrie, mes parents me parlaient d'elle comme d'une sorte de paradis perdu, d'Eldorado. Il y a des enfants qui sont bercés par des contes de fées. Eh bien, moi, j'ai été bercé par les récits de mes parents sur la Russie. Et avec ces récits, je me suis constitué une espèce de Russie intérieure, de Russie fausse probablement, mais en tout cas de Russie très vivante en moi. En revanche, les jeunes, quelquefois, étaient arrivés très bons francophones. C'était le cas de Nabokov, c'était le cas d'Irène Némirovski et de beaucoup d'autres. Et le témoignage de Zoé Oldenburg est intéressant. Elle raconte dans ses souvenirs qu'elle avait appris des rôles entiers, Andromaque, Phèdre, Bajazet. Et elle dit, cette musique vous entrait dans l'âme, vous irriguait. Et c'est comme ça que j'ai aimé le français et que je suis devenue française. Donc la langue est un bon indicateur. Dans le cas de Romain Gary également, sa mère voulait construire des racines pour son fils. Elle l'a envoyé évidemment dans un lycée français. Alors, a-t-il voulu volontairement, pour faire plaisir à sa mère, intégrer cette identité française? Il faudrait faire une psychanalyse posthume de Romain Gary, mais toujours est-il qu'évidemment, il est devenu un Français, et même plus tard un Français libre, qui s'est engagé pour la défense de cette patrie qu'il avait choisie. Outre les écrivains, les danseurs et les musiciens, il y eut de nombreux artistes et techniciens russes qui intégrèrent le cinéma français. Une bonne partie de l'immigration russe profite naturellement du fait que le cinéma est muet, et comme ils ne sont pas tous parfaitement francophones, le fait qu'ils ne soient pas ne pose pas de problème, et on retrouve donc à la fois comme acteur, également comme metteur en scène, comme technicien, comme décorateur. Notamment Napoléon, d'Abel Gance, utilise énormément de russe, à tel point qu'à un moment, Abel Gance avait même envisagé, me dit-on, d'utiliser un acteur russe pour jouer le rôle de Bonaparte. Et donc là, on lui a dit que c'était peut-être un peu, même si les Russes aiment beaucoup Napoléon, c'est peut-être un peu pousser loin le bouchon. Le metteur en scène Abel Gance saura utiliser à merveille le talent, l'ingéniosité et l'amour du métier des techniciens russes qui innovaient constamment. L'épervier, essai numéro 8. Après l'avènement du cinéma parlant, l'accent des acteurs russes n'était pas le bienvenu. Sauf pour l'ancien mannequin parfaitement bilingue, la princesse Nathalie Pallais. Je ne me sens pas bien disposée. Il faut tenir compte des nerfs, de la fatigue. On lui proposait des rôles qu'elle trouvait souvent trop vulgaires. Obsédée par les images de son passé en Russie, mariée au riche couturier Lucien Lelong, qui ne cachait pas son homosexualité, elle vivait en dehors de toute réalité, dans cette fin des années 20 submergée par le krach boursier. À cause de la crise de 1929, les cabarets et restaurants russes parisiens ferment les uns après les autres. La vodka ne coule plus, les nuits de prince ne sont plus que nostalgie. Comme toutes les modes, la vague russe disparaîtra dans l'écume du temps. Jusqu'en 1929, les relations avec les Russes et les Français étaient assez très 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 bonnes. Mais après, avec la crise mondiale, ça commençait à dégrader énormément. Et là, apparaît des phrases qui, c'est difficile de ne pas les mentionner, comme sale italien, sale polonais, mais aussi sale Ruskov. Cette
situation un peu humiliante, qui était les migrants, le mec qui vient manger notre pain, parce que ça, on l'a eu quand même. Hein. Sale russe, retourne dans ton pays. Moi, je me suis castagnée toute ma vie, toute ma petite enfance, en tout cas à Clichy. Alors que Clichy était vraiment un mélange de tout. Il y avait des Polonais, des Italiens, des Arabes, des Juifs. Il y avait tout, quoi. On était dans une rue, il y avait tout le monde entier, vraiment. Cette tension entre Russes et Français se retrouvera chez les chauffeurs de taxi, car il y avait moins de clients. En 1930, sur plus de 20 000 taxis, 3 000 étaient conduits par des Russes blancs. Il a même les caricatures de l'époque montrant comment un chauffeur des taxis russes à Montmartre, près du cabaret L'Aigle Noir, il lit le manuel. Là, et en même temps, dans ce moment-là, un Français avec un clou, lui, essaie de crever le pneu. Hein, c'est, vous voyez, parce que c'était, une concurrence déloyale, comme disaient les Français. À cette époque, nous n'étions pas, vous savez, de vrais camarades pour eux. Évidemment, ils se moquaient beaucoup de nous, etc. Ils nous appelaient le vieux général ou le vieux prince, alors qu'est-ce que tu viens faire ici, etc. La corporation des chauffeurs de taxi russes formait une sorte d'État dans l'État, avec ses propres associations, son centre d'entraide et même son centre de formation. Le métier était très difficile, il fallait absolument passer l'examen, mais pas comme aujourd'hui. À l'époque, il fallait apprendre par cœur presque 20 000 rues. Et dans la rue Barreau, il y a des maisonnettes des chauffeurs des taxis. Et sur le toit, ils ont construit Paris en miniature, avec toutes les rues, avec des petits morceaux de papier, des bouts, etc. C'était Paris recréé. Et donc, ils faisaient circuler les voitures pour passer la licence. Une fois la licence dans la poche, donc ils devenaient indépendants, surtout les hauts gradés, comme les colonels, les généraux, etc. Ils ne voulaient pas du tout travailler avec quelqu'un qui les donne les ordres. Et surtout, on pensait toujours que nous allions bientôt revenir en Russie. Et jusqu'à presque dernier temps, on n'a pas abandonné cette idée de revenir en Russie. Tout au long de leur vie, de nombreux Russes feront ce rêve obsessionnel de retrouver leur terre natale. Ce rêve ne restera qu'un rêve. La seule Russie que les Russes blancs retrouvèrent fut un petit carré de leur patrie sur la terre de France. D'abord, ici, autour de ce petit cimetière, il y avait des bois. Ça s'appelait les Saint-Geneviève-des-Bois parce qu'il y avait des forêts autour. Alors ici, c'est un endroit où sont enterrées toute cette première génération d'immigration. Et je vous conseille vraiment d'aller visiter les tombes, parce qu'il y a, à part les grandes familles, il y a Yusupov, il y a des tas de princes et de comtesses, vous verrez. Et puis il y a Ivan Bounine, prix Nobel, Serge Liffard. Il y a de nombreux artistes, il y a Tarkovsky, Nourieff, qui a souhaité être enterré ici. Et toujours pour cette raison-là, pour ce culte qu'ils avaient de la France et de l'accueil qu'ils ont reçu en France. L'émigration, c'est un grand avantage, parce que il faut se battre et il faut tirer de soi-même le meilleur. Il faut avoir, et on est en compétition avec des gens qui sont installés, qui ont des réseaux, qui ont des tuyaux, qui ont des amis, des parents, etc. Pas nous. Et donc, je pense que ça dope un peu les capacités. Donc, l'immigration n'est pas un handicap de ce point de vue. Et s'il fallait trouver un tronc commun, ce sont tous des personnes qui ne veulent pas renoncer, qui sont des gens décidés, des gens qui savent dépasser un environnement difficile et qui, conduite par une passion qui peut être sentimentale, culturelle ou simplement qui est dans les viscères et qui donc avance et qui, encore une fois, le trait
vraisemblant le plus caractéristique de l'immigration russe, c'est que ce sont des gens qui sont toujours restés debout. Des gens debout qui ont bouleversé à jamais la vie artistique française. Autant de parcours individuels qui ont croisé les tumultes de la révolution d'octobre et de la crise de 1929. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils sont devenus des Français à part entière, sans jamais renier leurs origines. Et dans l'adversité, ils ont su donner à la génération suivante la force pour s'intégrer et s'épanouir dans une France qui leur doit beaucoup.